Salut, c'est l'Astangel, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va mieux que la dernière fois. J'avais la crève, j'étais fiévreux. Je suis toujours. Enfin, j'ai toujours la crève, mais ça va un peu mieux. Donc là, on va se faire la suite. Je vais aller tout de suite modifier les options audio parce que je me suis aperçu la dernière fois, quand j'ai coupé la vidéo que j'avais fait en plusieurs parties, que en fait, on entendait peu ma voix et on entendait beaucoup les bruitages. La musique était peut-être aussi un peu forte. Voilà, alors j'en suis désolé. Et puis refaire la vidéo, bah c'était exclu parce que sinon c'est plus une vidéo découverte, c'est plus du live quoi. Voilà. Donc on va repartir où on en était. Et là on est à peu près 1h30 ensemble. Donc là il est à peine 11h du matin chez moi. Donc ça fera vers 12h30 grosso modo dans l'idée. Comme ça s'appelle chrono, on va faire pile poil 180 minutes quoi. Donc on en était là, on avait pris elle comme on va lui causer vite fait. Sybil, can I talk to you? Yes. On va essayer de pas trop s'attarder non plus sur les dialogues cette fois. Hein. I'd like to ask you a few questions. What do you want to know? Faire plus d'action que la dernière fois en fait. Alors tu es la fille, tu penses que. Que sais-tu des seigneurs du froid? What do you know about the Ice Lords? As much as it is possible to know without having met them. In some ways, they're quite fascinating, even though the term might seem inappropriate. Ouais, on va zapper. Il y a trop de dialogue. On va les passer. J'imagine que de toute façon, ce que vous voulez voir, c'est de l'action. Moi, c'est pareil, j'ai envie d'avancer un peu dans le jeu. Alors, il faut qu'on parle de ton style de combat. We need to talk about your combat style. What do you want me to do? Ah, on peut choisir son style de combat, d'accord. Alors reste comme ça. Bah reste comme ça, on sait pas comment aller. Donc on va mettre plutôt défensif. I know you want to help me, but you've got to stay alive to do that. Think of defending yourself a little more. You're right. I will try to be more. C'est pas la peine qu'elle nous pique nos XP déjà. Et on va continuer. They're all around us. Ah, ça commence. Saloperie ces trucs là. Ah, on dirait qu'elle me soigne elle. Voilà, ça c'est fait. Ah bah il y en a encore qui arrivent, putain la vache. Elle est pas hospitalière cette zone là. Ah ouais, donc elle c'est un heal alors, ok. J'ai bien fait de la choisir. Parce qu'il y avait l'autre là qui connaissait bien la forêt, mais je sais pas ce qu'il était.
ça c'est fait. Ok. Bon, bah, ça a l'air d'être aussi difficile que le niveau précédent, voire plus. Ok. Bah, par contre, on va récupérer forcément plus de ressources, et ça c'est pas plus mal. Parce qu'ils avaient été vachement avares dans le premier niveau. Pour partir en arrière. Ah non, c'est bloqué. Donc, on va aller hop, au niveau du niveau. On va voir ce qu'on peut faire. Alors, dégâts d'armes lourdes plus 10. Régénération de vie supplémentaire hors combat. Capacité d'interruption plus 5. Ouais, la dernière fois j'avais monté pas mal le rôdeur je crois, il me semble. Ouais c'est ça, et j'avais négligé un peu l'autre. On va monter un peu l'autre là maintenant. Là. Donc il y avait quoi là? Permet de parer les attaques venant de derrière. Ah, ça c'est bien aussi ça, on va prendre ça. Et puis après j'hésite entre dégâts des armes. Capacité d'interruption. Parce que la capacité d'interruption, si je dis pas de bêtises, ça nous permet de poursuivre nos coups pendant que les autres essayent de nous en empêcher. Et les dégâts d'armes lourdes, on va augmenter la capacité d'interruption pour essayer de conserver. Puis en plus, ouais, bah après, les chances de coups critiques augmentent beaucoup. Donc c'est pas mal. Après, là, on a robuste. Maximum de vie plus 10, bah ouais ça me tente bien. Énergie, magie maximale plus 10, ah c'est tentant aussi ça. Ah mais j'avais pas fait gaffe, en fait les prérequis sont en bas, c'est un, alors il faut faire 20 fois des dégâts, donc ça c'est facile à obtenir quoi, et lancer 15 sorts de feu pour avoir un point. Ah ouais, donc je suis pas prêt d'en avoir tout de suite. Bah on va prendre ça. Ça, je l'aurai plus facilement, ce point-là. Et ah ouais, ça c'est bien ça, parce qu'en fait, ça dépend des actions qu'on fait. Les points qu'on va gagner. Donc tuer 60 ennemis. Ok. Ah, c'est bien ça. Ah, j'avais pas fait gaffe la dernière fois. Je crois que c'était des points qu'on nous attribuait comme ça. Et pas du tout, en fait. Alors. On va continuer d'avancer. Elle est jolie cette jungle aussi, hein. De toute façon, je vous avais déjà pas mal dit la dernière fois que l'aspect graphique m'avait énormément séduit. Alors, donner des ordres à votre compagnon peut vous aider à penser... je vais pas arriver à lire, excusez-moi, je suis pas réveillé. Alors, votre compagnon peut vous aider, pensez à adapter son attitude aux besoins du combat. Donnez-lui des ordres via le menu tactique. Ok. Enfin, pour l'instant, on va la laisser tomber. Bon, toi, c'est bon. Alors, il disait, alors, faire ça, pouvoir et ordre. Ah, d'accord. Donc, débrouille-toi. Défends-toi. Attaque à distance, soigne-nous. Ouais, c'est pas mal ça. On va la laisser sur défends-toi pour l'instant, ça se passe bien. Alors, on va récupérer. De toute façon, elle me soigne quand elle a rien de mieux à faire apparemment, donc ça me convient. Alors, je vais me remettre en position du guerrier, parce que position du guerrier, je peux parer les coups. Avec l'autre, c'est plus facile, je trouve, de parer les coups en position du guerrier. Range ton épée, toi. Guerrier. Hein. D'accord. I don't think this is the right direction. Truc à récupérer. Il y a du monde par là, on verra ça plus tard, il y a trop de monde à mon goût. Par là, il y a quoi?
told me a lot about you. Really? He's normally not much of a talker. Did you torture him or something? No, I mean, it wasn't a big deal. I just think he has a lot of respect for himself. C'est chaud à chaque fois, hein, quand même. Ils sont pas cons, les mecs en face. Ça c'est fait. Il n'y avait pas de loot. Oh. Arrête furtif. Ouais, enfin là, ça me sert pas à grand chose apparemment, la furtivité. Donc... Est-ce que je peux mettre des pièges? Non, j'en ai plus, c'est dommage. Est-ce que je peux en fabriquer, tiens? Sac à dos, carreau d'arbalète, piège, non, il manque du métal brut. Bon, on va se les faire à l'ancienne. Hein. Maintenant. Il faut pas, il y a trop de monde là. Il faudra peut-être que je joue aussi pour les pouvoirs du démon là, parce que je les ai pas encore augmentés. Ok, donc si ça loot un peu quand même, ça c'est tout ce que je récupère. Ah non, les mecs ils ont été vachement avares quoi. Alors on a encore monté d'un niveau, donc on va continuer à améliorer notre perso. Alors récupère plus vite après une parade, chance de coup critique plus 20, ouais ça on va prendre. Et là on va augmenter le dégât des armes. C'est quoi ça au milieu? Non ça on s'en fout, on a dit ok. Et on a encore un point là, disponible. On va prendre Robus là pour augmenter la vie un peu. Hop. Alors. Voilà, il y a du loot. Du sang corrompu. Alors, on peut peut-être faire des potions, non? Potions de santé. Ouais, je peux en faire une. Ça tombe bien, j'en avais plus. Et l'autre, c'est du sang corrompu aussi qu'il faut pour la potion de mana. Ça, c'est un peu dommage. Parce que c'est les mêmes ingrédients et on n'en trouve pas beaucoup et il en faut beaucoup. De se la jouer furtif. Ah d'accord, il y a du monde qui arrive d'un coup. Yeah.
Ah bah heureusement que j'ai fabriqué une poignée de potion de mana parce que on était mal. Je l'ai pas pris? Ah si, je l'ai pris pourtant. Pardon, je parle pas beaucoup, hein, mais je me concentre. Essayer de pas être tout le temps en train de mourir non plus. Voilà. Et ben, on récupère pas mal de trucs. Voilà. Non, on se prend vite au jeu. Hein. Là, je viens de me prendre en main. Et, donc, du coup. Je suis à fond dedans et j'oublie que cette vidéo je la fais pour vous. Donc ouais, je suis un peu plus à l'aise avec les combats là que la dernière fois, vous avez pu voir. La dernière fois j'étais vraiment un peu aux fraises. Je trouve par contre ouais, qu'au niveau des... au niveau du loot et tout, on récupère pas... Mais c'est ce qui augmente la difficulté du jeu, hein. Et à mon avis c'est justement... pour éviter d'y aller bourrin et forcer les gens à... Ah ah ah. Alors... il y a du monde hein, quand même. Et il y a des espèces d'archers là, de l'autre côté, plus loin. Qui nous ennuient quelque peu. Merci. Ah, faut que je me casse. Est-ce que tu peux me soigner, ma chérie? Merci. Non, on n'a plus de poignée. Faudrait que je me fasse celui-là parce qu'il est un peu casse-couille. Je vais voir si je peux pas. D'accord. C'est déjà mieux. On va essayer de se les faire les autres pendant qu'elle se défend. Parce que eux, ils sont embêtants. C'est comme les archers en fait qu'on avait dans le premier niveau, ils nous balancent des trucs de loin. Il y en avait un autre je crois. Non. Merde. Ah, okay. Voilà, ça c'est fait. Vraiment, si c'est sympa, c'est vraiment sympa.